Bonjour à tous et bienvenue sur Benoît 494 pour ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2 avec les Skaven. Alors ce monsieur, on va le faire se déplacer, voilà, jusqu'ici. Voilà, comme ça il est au monument d'Idzatal et on va le mettre en mode raid. Voilà, ce monsieur-ci, on va le déplacer jusqu'ici. Voilà. Et on va le mettre en mode embuscade. Voilà. Comme ça, si jamais les méchants monsieur veulent venir nous attaquer, on sera à deux armées contre lui. Ici, on a quoi? Ici, on a le foireux. Le foireux, il peut pas endommager les murs, il n'y en a pas. Il peut entraver la reconstitution, c'est un échec. D'accord. Toi donc, tu vas venir ici. Toi, tu vas venir ici. Voilà, et... Non, tu peux pas attaquer ces gens-là, tu peux pas... D'accord. Donc ça, tu peux pas... Non, c'est pas une capitale. Ah, elle a pas de mur. D'accord. D'accord, donc on a une rébellion imminente ici. Donc au niveau de la... La garnison, au moins, on a des murs. Et puis, les autres endroits... C'est bizarre qu'on n'ait pas mis aux autres endroits. Si, on a des murs aussi et on a des pures garnisons. Donc ils peuvent venir là. Hein. On les attend là. On les attend de pied ferme. D'ailleurs, du coup, ça ne sert plus à rien puisqu'on va se prendre une rébellion au prochain tour quoi qu'il arrive. Donc autant imposer. Et autant avoir du revenu. Voilà. Et donc, j'ai déplacé tout le monde. Tout le monde. Voilà, donc lui il me déteste. Hein. Lui, si je le recrute, il s'est foutu. Voilà. Qu'est-ce que tu me veux, Mazda Mundi? Tu me déclares la guerre. Comme ça. On se connaît même pas, tous les deux, et t'arrives, tu me déclares la guerre. Bon, bah d'accord. Ils nous aiment pas, hein, les hommes lézards. Hein. On va en chier, moi, je vous le dis. Donc lui, il remonte, je sais pas du tout ce qu'il va faire. Lui, il se déplace, t'as raison. Voilà, viens tomber contre mes deux armées, histoire qu'on te marave un bon coup la gueule. Voilà, tu meurs comme un caca. Et du coup, on va prendre la nourriture. Voilà. Au prochain tour, on reprend le monument d'Idée. Voilà, on va envoyer une armée contre la rébellion. On a récupéré un masque terrifiant. Quelqu'un nous dévalise. Ah oui, c'est... oui, bah oui, forcément. Voilà. Et il est... Il est trop loin pour que ma colonie la stagne. Donc du coup, eh bien, avec nos deux armées, on va monter jusqu'ici. Voilà. Parfait, et avec cette arme-ci, on va attaquer le monument. Voilà, on bute tout le monde. On pille et on occupe. Et c'est parfait, et on a récupéré un breuvage Skaven. Waouh, cool. Cool.
Ils n'ont pas perdu d'unité. Non, ils n'ont même pas perdu d'unité. Voilà. Donc, Frollo est là. Il occupe la place. Il est à fond en loyauté. Du coup, il va rester là. Et du coup, Skrulk, eh bien, Skrulk, tu vas redescendre. Voilà, par contre, tu sors du mode pillage, t'es gentil, mais on va essayer d'éviter de payer chez nous. Voilà, donc toi, tu vas continuer à te déplacer. Nous, on va redescendre, on va aller s'occuper de cette rébellion. Le plus vite possible. Ce monsieur, pour l'instant, ne nous dérange pas trop. Et donc, toi, t'as pris le niveau. Voilà, donc, infecte bénédiction. Ah, quoi qu'il va tomber. Force répugnante, seigneur de la peste. Voix du racornu, émissaire, aura de pestilence, arme caudale, halluciné, opportuniste, fort expéditif, peste, naissance. Résistance aux projectiles, espiègle, résistance à la magie. Attaque éclair. Voilà, comme ça, on l'a. Lui, on va lui donner. Combattant des égouts, hors d'atteinte, puissance des armes. Point de vie plus 3%. Ça c'est niveau 20, ouais. Ok. Et là on va lui donner précis, plus de puissance des armes. Ça me semble pas mal du tout. Qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le foireux. Faithful servant of decay. Le foireux. Ah, il y a du niveau ici A aussi. true disciple. Frollo a pris 2 niveaux. Ouah, le gars! Ouah, le gars, quoi. Donc lui, pareil, on va lui booster jusqu'à ce qu'il ait... ancienne ruse, revenu issu du pillage, on va lui donner ancienne ruse. Voilà, plus l'attaque éclair, et après, on va s'occuper de lui donner... Nourriture générée, 1 par tour, croissance plus 40, ordre public plus 2. Voilà, et on va conclure ça. Voilà, parce qu'on en a besoin. Merci. Pour compétence. Ah oui, j'ai oublié, il en avait un autre. Voilà, donc chef de recrue. Expérience plus 1. Capacité de recrutement plus 1. Voilà. Ici. On va booster. Voilà. Parce que pareil, on va foutre des murailles, mais partout. Quand je dis partout, c'est partout. Ici. Que peut-on faire? Ici, on pourrait faire... Oh, esclave. Clic gauche. Ça donne quoi ça? Construction impossible. Revenu généré par tous les bâtiments. Toutes les régions de cette province. Corruption Skaven plus 1. Ça c'est quoi? Revenu généré, ordre public, corruption Skaven. Oh, ça me plaît bien ça. Du revenu et de l'ordre public. Ouais, je crois qu'on va faire ça ici. Mais peut-être pas tout de suite. Déjà, on va booster ça. Et ça sera bien.
Ensuite, on a fini, héros non déplacé, tiens donc qui ? Ah, notre lame noire. Notre lame noire n'a pas été déplacée. Donc lui, on va le faire revenir par ici, parce qu'on a ce monsieur-là qu'on veut surveiller. Voilà. On a ce gars-là, là, faut qu'on le surveille. Ok, encore un héros non déplacé. Le foireux n'a pas été déplacé. Donc le foireux, lui... Il va aller un peu répandre la corruption chez les voisins. Voilà, et toi, en fait, tu vas revenir par ici aussi. Quoique. Ouais, non, autant les exterminer une bonne fois pour toutes. Pour l'instant, on est en paix avec eux. Donc, vous, vous allez venir ici. Voilà. Notre assassin, on le laisse conserver autour de ce gars-là. Et le foireux, c'est pareil. Tu viendras ici dès que possible. Et fin du tour. J'ai plus rien à construire. De toute façon, j'ai pas les revenus. Si, ici, je pourrais construire des choses, mais c'est pas des choses qui m'intéressent. Donc pour l'instant, on va wait. On va attendre. On va attendre. Parce que ce que je voudrais construire, c'est ça. Ça, je sais plus. Non, c'est la forge. Elle est où, la forge? La forge, la forge. Caverne de construction. Forge de malpierre. Et usine à turbine. Voilà. Et ça. Abbaye de la peste. Voilà, il y a ça aussi qu'il va falloir qu'on fasse. Ça va nous permettre de recruter des moines de la peste. Ça, des catapultes, des technomages et des canons de malfoudre. Et là, on pourra avoir des rats ogres. Et des abominations de Malphos. Ouais, donc là, c'est clair, les deux prochains bâtiments qu'on fait, c'est ces deux-là. Et après, on fera celui-là. Voilà. Du coup, ici, on va les attendre de pied ferme. Par contre, du coup, on va économiser nos sous. On n'en a plus. De toute façon. Donc... Et ici on peut faire, oui, aussi des choses, mais pas des choses qui nous intéressent pour le moment. Donc fin du tour, voilà. Donc ça tourne, ça défile. Sillon, confrérie, ça... Itza, qu'est-ce qu'il va me faire, lui? Donc il se redéplace. Ok. T'as les pétoches, hein, mec. Hein, t'as les pétoches. Eux. Donc eux, ils continuent à nous dévaliser. Hein. On est au courant. Auxil, on va peut-être enfin pouvoir faire quelque chose d'intéressant. On va faire le chaudron de Vérole. Déjà, pour commencer. Et du coup, on va garder nos sous. On va aller voir ce qu'on peut faire à la jungle de la brume. Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ici, il y a... ici, on va pas faire une province de recrutement. Je pense qu'on va surtout faire une province économique. Donc du coup, je pense qu'on va surtout faire ce genre de choses. Donc pour 750, c'est pas mal. Ça nous donne quoi? Revenus générés et corruption. Ouais, on va faire ça. Non. Non, non, non. Si c'est pour faire des trucs économiques, pour l'instant, on va faire de la croissance. Voilà, plus vite on aura de la croissance, mieux ce sera.
Ici, on va mettre le... cette petite province qui est un peu inutile, là, on va faire... Par contre, cette province-là, on en fera une deuxième province de recrutement, en fait. Parce que ici, le seul moyen de nous attaquer, en fait, c'est vraiment d'arriver par le haut. Voilà, le désert de Huahuan, là. Le seul moyen de nous avoir, c'est de nous tomber dessus par en haut. Parce qu'ils ne peuvent pas arriver, je pense pas, qu'ils puissent arriver sur les côtés. Donc du coup, c'est vraiment ici. Et donc, on aura largement le temps de se protéger, quoi. Puisqu'on aura la source de l'éternité, plus ça... avant que vraiment ils viennent nous tomber dessus. Donc on en fera peut-être même notre province de recrutement principale finalement de celle-ci, parce qu'elle est plus facile à défendre. On conservera bien sûr celle-ci comme province secondaire hein, pour le recrutement, ça va de soi, ça va de soi. Du coup, nos armées, il est temps que ça bouge, donc toi tu vas te mettre en mode t'avance. Et donc, ils vont pas être contents qu'on passe par chez eux. Mais on s'en fiche un peu. Move. Voilà. On va en profiter. On est bien chez eux, là. Ouais, c'est ça. On est bien chez eux. Donc, on va en profiter pour leur aider un peu. Voilà, ici, ça régène. Du coup, lui, par contre, il a un peu de mal à régène, mais c'est pas grave. Ici, on peut plus rien construire. Du coup, toi, en fait, bah, tu vas avancer vers... vers ici. Voilà. En mode tunnel parce que c'est bien plus rapide. Et tu vas commencer à descendre sur le Colosse d'Or. Voilà. Nos agents, pendant ce temps-là, ils vont faire leur boulot de sap. Donc, Scrot, on t'a dit. Tu viens ici. Le foireux, on t'a dit. Tu viens... ici. Voilà. La lame de Malpierre, on l'a dit. Tu viens ici. On va surveiller ce que fait ce gars-là. Voilà. Et fin du tour. Voilà. Et ça va bientôt être la fin de l'épisode aussi. Et moi, je vais faire une petite pause ici. Si j'ai bien calculé, ça doit être l'épisode qui doit tomber samedi. On va bien voir. Je vais faire une pause, café, et puis regarder où j'en suis dans les épisodes. Parce qu'il ne faut pas que je rate les bons jours pour vous souhaiter le réveillon et le jour de l'an. J'y tiens. C'est très très important pour moi. D'ailleurs, si j'ai le temps avant de partir, je vais faire une petite vidéo. Pour le jour de l'an, genre un petit planning, et puis... une petite mise au point sur toute l'année sur la chaîne, mise au point sur 2017, et puis commencer à vous parler des projets que j'ai pour 2018. Ok, donc eux, on le sait, ils sont toujours là, ils sont toujours en train de piller. On peut pas vraiment y faire grand chose pour le moment. Par contre, on va peut-être enfin pouvoir fabriquer ça. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font là, eux? C'est qui? Ils sortent d'où? Pourquoi ils attaquent... Pourquoi ils pillent ici, en fait? Ils sortent d'où? C'est eux qui ont eu un problème d'ordre public? C'est possible, hein? C'est possible qu'ils soient pris une rébellion. Donc du coup, nous... Lord.
Underworld. Non, du coup. Lord Skrulk. Du coup, parce que nous, il faut qu'on aille s'occuper de la nôtre de rébellion. On va pas s'occuper de la sienne de rébellion. Donc du coup, je pense qu'on va vraiment passer par là. Voilà. Pour pas se faire enquiquiner. Toi, tu continues à descendre par ici. Voilà. Nos agents. Donc, Scrot, toi, t'as ta mission. Toi, t'as ta mission. Et toi... Toi, j'ai bien envie de le buter, son agent, quand même. Voilà, on l'a buté, comme ça, il nous emmerde plus. On prend pas de risque. Et on va répondre l'ordre public avec ce monsieur. Voilà. Ok, fin du tour. Alors, est-ce qu'on le garde une fois qu'il a fait son action? On verra. On verra. Je pense que oui, mais je suis pas sûr. Lisa, qu'est-ce qu'ils me veulent? Ça y est, ils me redéclarent la guerre. C'est parce que j'ai tué son agent, ça. Ça a été la goutte d'eau, je crois. Ah ouais, mais t'envoies tes agents chez moi, mais qu'est-ce que tu crois? Faut bien t'occuper de ta rébellion d'abord. Voilà, oh bah eux. Colonie assiégée. No, need my warp token stash. Ouais, d'accord. Donc on va attendre un peu. On va les laisser faire le siège. De toute façon, il y a Skrulk qui est en train de revenir. Donc... ça devrait pas poser trop de problèmes. Voilà. Lui... Pareil, on le déplace. Donc toi, tu vas venir jusqu'à la chambre des visions, je pense. Ah ouais, d'accord. Okay. Donc, jusque là. Hop. Hop, notre petite lame noire. Il va venir buter ce gars. On l'a déjà buté une fois. Visiblement, ça lui a pas suffi. Toi, tu vas venir ici commencer à endommager les murs. Et toi, tu vas venir ici, pareil. De toute façon, tu vas attaquer ce truc-là. Voilà, tout le monde a fait son déplacement. On a des choses qu'on peut améliorer. Donc ici, on peut améliorer notre petit nid. À l'échine de ce tech, on peut aussi améliorer le petit nid. Et on n'aura pas les moyens pour faire ça. Donc, on va attendre. Voilà. Voilà. Et dès qu'on arrive ici, on va commencer à piller les sentinelles, là. Voilà, eux ils sont en train de piller Exoat. Enfin. Ces gens-là, mais on s'en moque. Royalement. Et on va finir notre tour. Voilà, puisqu'on n'a plus rien à faire. Tout le monde a été déplacé. Voilà, fin du tour.
Surplus de population du Grand Jungle du Sud, parfait. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ouais, en fait, je pense que c'est que je suis passé sur son territoire et que qu'il lui a pas plu. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Lui, il veut un traité de paix. Écoute, du coup, que je vais être obligé de m'occuper de... On va valider. Voilà, t'as de la chance. Mais t'inquiète pas, je reviens m'occuper de toi. C'est juste que, comme ça, ça va me permettre... M'envoie pas tes agents. Ne m'envoie pas tes agents, ils vont mourir. Tu sais pas à quel point ils vont mourir. Ok, tirer profit des criminels, coût de l'action du héros, moins 20%, coût de recrutement de héros, moins 33%. Voilà, parce que ça, ça nous fait bien plaisir. Ok, donc, toi, tu vas venir me buter ce gars-là. Voilà, toi... Donc, bah, du coup, tu vas revenir par là. Voilà. La chambre des visions. On va agrandir. Toi, le foireux, du coup, tu vas revenir... endommager ces murailles-là. Toi, tu vas revenir ici. Toi, par contre, tu continues ton déplacement. Voilà. Les technos, on avait dit des yeux partout. Voilà. Donc ici, on a encore... Combien de tours avant l'attrition? Tours restants avant reddition. Je peux pas voir combien de tours il leur reste avant de m'attaquer. Enfin, avant que je prenne de l'attrition. Non. Bon, bah tant pis. Tant pis, tant pis. Fin du tour. Voilà, et on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Je pense pas qu'ils vont m'attaquer ce tour-ci. Voilà, les maîtres du savoir. Eux, il va falloir que je fasse la paix avec eux aussi. Du moins que j'essaye. L'autre, il est en train de recruter dans le sud. Lui, il va commencer à pas arrêter de m'attaquer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir notre notre assassin de l'armée. Et puis, il va aller faire son boulot, le mec. Hein. Écoutez, hein. Voilà. Toi, tu fais bien de te barrer. Parce que je te garantis que j'arrivais sur toi, là. Et que t'allais prendre pour ton matricule. Mais lui, dès qu'il a une armée complète, il nous réattaque. Hein. Là, le problème, c'est que du coup, il faut que je deal encore avec Itza. C'est chiant, cette instabilité permanente. Et puis là, putain, moins celle de nourriture. Bâtiment rituel, dessin du dominant, les raids, les ordres. Ah oui, j'ai des ordres pour la nourriture. Faudrait peut-être que je donne des ordres pour la nourriture. Voilà. Voilà, mais ça sera dans le prochain épisode. Voilà, donc eh bien, vous connaissez le refrain. N'hésitez pas à liker, à partager les vidéos. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'hésitez pas non plus à me laisser vos petits conseils et commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous retrouve dans le prochain épisode, c'est-à-dire demain. Et je vous fais des gros bisous.